Alors, pour ce quatrième épisode, la petite surprise, c'était une immersion dans la livraison de colis avec Jordan. Donc, est-ce que tu es contente? Bien sûr, oui, très super. Contente. Bonne nous, présenter. On est très contente. Et pour commencer, une petite question comme d'habitude. Mm-hmm. Est-ce que tu préfères la livraison ou alors la bureautique, par exemple? Moi, ce que je préfère quand même, c'est éventuellement la livraison parce que c'est vrai qu'on... On découvre autre chose, on découvre des nouveaux clients, on bouge, ça nous fait quand même sortir de la maison et ce côté paperasse. Ouais, donc, et c'est vraiment tu, super sympa. Tu changes souvent de paysage. Exactement, ouais, de ça. Ville, de région aussi, c'est vraiment super. C'est bien. Hein. Ouais. Et du coup, pour cette petite surprise, il y aura également Swan, le collègue de travail de Jordan. Là, il va mettre un petit peu de temps à arriver, je pense. Est-ce que tu veux qu'on s'assoie? Je pense que dans 10 minutes, ouais, mais si tu veux, on s'assoit. Ouais, ouais, ouais. Allez, c'est parti. Allez. Attends, ça y est, voilà. Du coup, moi, je voulais poser mes quelques petites questions. Ouais, tu as raison. Ouais. Hello. Hello, hello. Ça va, tu vas bien? Ça va et vous? Ça va et toi, nickel. Ça va, Jordan? Ouais, nickel. Alors, ta tournée s'est bien passée? Ça va. Ouais, ça va au top. Ouais, nickel. T'as mis le pain. Merci bien. T'as le vélo dans le coffre. Bon, ouais. C'est à toi de jouer maintenant. Bon, allez, super. Nickel. Juste avant, est-ce que ça te dérange que je te pose quelques questions? Pas de soucis. Hein. Ok, super. Alors, du coup, puisque tu es le collègue de travail de Jordan, oui. Par rapport à ce qu'elle fait, est-ce que tu as espoir pour elle? Comment tu le sens pour elle? Bah, moi, franchement, j'ai espoir pour elle, c'est sûr. Hein. Après, il faudra prendre en compte certains paramètres, du genre les livraisons sur Marseille. Là, il faut vraiment envoyer du lourd. Il ne faut pas se laisser écraser. Mmh. Enfin, il faut se mettre en double fil, il faut vérifier qu'on ne se fasse pas voler les colis. Mmh. Voilà, pour vérifier la hauteur du camion. Parce que voilà, hein, c'est vite fait qu'on se prend. On rentre le camion. Voilà, c'est vrai. Ouais, ça arrive, après, ça arrive à tout le monde. Hein, ça peut arriver, mais il faut être vigilant. Mm-hmm, je vois. Et avoir du caractère sur la route. Hein. Ouais, c'est important, ça aussi, j'imagine. Exactement, ouais. Ouais. Ouais, tout à fait. Et du coup, en tant que femme, est-ce que tu penses qu'il y a plus de difficultés d'exercice métier En tant que femme? Ouais. Bah pour Jordan. Pour Jordan, pour moi, il n'y a pas de souci. Hein. Depuis que, voilà, comme je dis, il y a du caractère, de la vigilance. Après, bon, si on doit faire les clichés, les femmes un peu, dirais, chochottes sur les voies, ouais, c'est sûr que là, on se fait écraser. Mais ouais, si, ou celles qui ne savent pas trop conduire comme préjugés. Voilà, ouais. C'est des préjugés. Moi, perso, pour moi, c'est chacun, il sait faire avec son expérience. Mm-hmm. Si elle sait conduire, elle sait bien traiter les clients et être au top sur la route, il n'y a pas de souci. Normalement, elle a toutes les armes pour y arriver. Ouais, t'as confiance en elle. Oui, moi ça va, je suis à l'aise. Hein, intérêt. Voilà. Sinon, j'en prends une. Non, mais ça va, il n'y a pas de souci avec Jordan. Ok, super, bah, merci d'avoir répondu à mes questions. Pas de souci. Bah, je pense que maintenant on peut y aller. On va les livrer, ouais. Ouais, du coup, t'as deux colis ici. Tu me suis, ouais. Ouais, ça je te suis, allez. Allez, je vais prendre des colis. Je vous dis au revoir, moi. Allez, ciao, à la prochaine. Je peux? Maintenant, pour le cinquième et le dernier épisode, on se retrouve plus tard. Venez avec nous !